Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Coco Rossa Studio. Donc j'ai reçu ça dans une petite enveloppe. Cette fois-ci j'ai reçu 4 matrices de coupe. Donc c'est parti. Je vais aujourd'hui juste vous montrer ce que c'est. Je sais pas comment je vais faire ça. Si, c'est bon. On va faire une semaine spéciale Coco Rossa Studio. On va faire ça. Je vous fais aujourd'hui l'unboxing. Jeudi, vous aurez 2 cartes. Et samedi, vous aurez 2 autres cartes. Comme ça, c'est pas mal. Alors, on va faire ça cette semaine. Enfin, cette fois-ci. Et je pense que ça sera bien. Donc, 4 matrices de coupe sur le thème de Noël. Forcément, pas de Noël ou de l'hiver. Ouais, mais de Noël. Donc, c'est parti. Je vous montre. La première matrice de coupe, c'est ceci. Alors, je vous laisse 2 secondes pour vous situer ce que ça peut être. Et là, tac, je vous affiche une photo du site internet. Donc ça, c'est pour faire une carte avec la ceinture du Père Noël. Voilà, tout simplement. Ça va être très simple. Je pense que je vais faire des petites cartes comme ça pour accompagner les cadeaux. Vous voyez? Donc voilà, avec du papier rouge, du papier noir, la boucle de ceinture dorée par exemple. Voilà, bref. De toute façon, je vous ferai un tuto là, cette semaine. Ensuite, j'ai reçu un petit dice comme ça, sucre d'orge. Il est marqué Christmas Loading, donc ça charge. C'est en train de charger. Je vais vous mettre une photo sur le site internet. Hop, enfin pas sur le site, je vais vous mettre une photo du site internet. Donc, j'aime bien le petit sucre d'orge, on peut aussi l'utiliser, on n'est pas obligé de l'utiliser comme avec le Christmas is loading. Vous verrez, je pense que je ferai même peut-être 2 idées. On verra si j'ai la motivation et si j'ai l'inspiration. Mais là, je suis en train de penser à un truc, donc bref. Le petit Christmas loading, ouais c'est ça, hein, ouais. Christmas loading, oui, en charge quoi, Noël est en charge, voilà. Donc ça, ensuite j'ai reçu, mais ça je me souvenais plus que j'avais pris ça, je vais aller voir quand même, je regarderai après sur le site internet. Mais là j'ai 3 flocons, j'ai aussi une sorte de, comment on appelle ça, de café liégeois, des gants, une boule à neige, et là une jarre avec un sapin à l'intérieur et tout, et là ça doit être quelque chose ça, mais un petit gâteau je pense. Voilà, donc je pense que si je l'ai pris c'est surtout pour les flocons, parce que j'aime beaucoup les flocons et j'en ai pas beaucoup des matrices de coupe flocons. Enfin je vous dis ça, mais vous avez vu en octobre j'ai acheté 2 matrices flocons chez Casey Art, mais voilà, ils sont différents de ceux-là, donc c'est cool. J'aime beaucoup celui-là, là. Bref, j'ai hâte de voir si ça se découpe bien. En tout cas, je vous ferai une petite carte avec ceci, et puis vous aurez vu ce qu'on peut faire. Je vous mettrai là hein, des photos de via du site internet, via le site internet de Coco Rossa Studio, pour vous montrer un peu les idées qu'il y a déjà sur le site. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà, c'est un feu d'artifice. Ça va être cool, je pense, que pour faire une carte pour la bonne année, vous voyez. Donc ça c'est top, j'ai envie de vous dire, j'ai hâte d'essayer, donc trop hâte. Ça fait une grande plaque hein, quand même. Je vais vous montrer, donc là je vous affiche une image pendant que je calcule là. Donc ça fait 10 par 14, parfait. Franchement non, top, j'aime beaucoup franchement, avec un papier miroir en dessous, doré, ça va être top. Donc bref, je vais vous faire de toute façon les cartes qui correspondront, on fera 2 et 2, voilà, on va faire comme ça, je ferai 2 là et 2 là. Donc je remercie encore le site Coco Rossa Studio pour m'avoir envoyé ça gratos. Je vous affiche ici un code promo, je crois que c'est 15% il me semble, ou 20%, je sais plus. En tout cas il y a le code promo qui s'affiche, et dans la barre d'infos je vous mets les liens des produits directement avec la remise. Voilà, comme ça il n'y a plus qu'à cliquer dedans, les mettre dans son panier et c'est terminé. Voilà,
Et bien sur ce, c'était une petite vidéo, mais je vais pas m'étaler plus. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà commandé sur le site de Cocorosa Studio. Et puis je vous retrouve dans 2 jours, donc jeudi, pour les 2 premières cartes avec ces matrices de coupe. Désolée, on a été coupé, je sais plus du tout ce que je racontais, parce qu'en plus je suis allée faire des trucs, enfin bon bref. Voilà ce que j'ai reçu du coup du site Cocorosa Studio. Merci encore au site de m'avoir fait confiance. Je vous affiche ici un code promo. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mets les liens directs des 4 produits là que j'ai reçus aujourd'hui. Et on se retrouve là en fin de semaine, jeudi et samedi, pour 2 cartes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.